L'avocate Aurélie Geoffroy a obtenu gain de cause. Elle est donc particulièrement satisfaite. Contre une institution ? Qu'est-ce qu'elle défendait ? Qui défendait-elle ? Contre une institution ? Non. Est-ce que ça se passe à Paris ? Oui. C'est de l'humanitaire ? Non. C'est quelqu'un qui a marché sur une frite et qui a glissé. Oh non, ça c'est monsieur Ludo, l'avocat, vous voyez. Ouais. Mais c'est toujours le même, chose... maître Ludo. C'est quelque chose d'approchant ? Non, non. C'est un accident. La Française des Jeux. Ce n'est pas un accident, c'est une affaire qu'on a suivie, dont on a déjà parlé ici à plusieurs reprises. Ah. On est content qu'elle ait gagné, Aurélie. Oh, moi, je trouve que c'est plutôt bien, oui, qu'elle ait gagné. Même, je trouve que la justice aurait pu donner plus encore en indemnité, en dommages et intérêts. Est-ce que ce serait pour une détention longue et inappropriée ? Inappropriée n'est pas le mot. Elle a obtenu de l'argent pour son mari décédé, un truc comme ça ? Non plus. C'est pour une nuisance. Donc c'était pour une détention. Non plus. C'est pour une nuisance ? C'est pas une histoire d'héritage, genre, non, parce qu'elle était mariée avec... Non, non, je vous dis non. Une histoire de voisinage, genre Courbet et compagnie ? Non plus. Elle a, est-ce que c'est conséquent les dommages et intérêts qu'elle a obtenus ? Je peux vous dire 10 000 euros de préjudice de jouissance et 1 000 euros en réparation. Ça y est, c'est pour le monsieur qui habitait le mètre carré 24 dans cette petite soupente. 56. Qu'une propriétaire. Mètre carré ignoble. 56. Bonne réponse de Florian Gazan. Mètre carré 56. 56. Et ben voilà, on a réussi. Yes. C'était pas si compliqué. Alléluia. Oh Christophe, tiens, je te file mon chocolat. Oh, attendez. Je crois qu'il y a un Thalys dans 20 minutes. On lui dit... je te file mon téléphone. On lui dit de rester. Oui. Oui. Bon, allez, reste, Kiki. Allez, reste. N'insistons pas non plus. Hein. Il sait faire le show quand même. Dès qu'il y a une caméra, il est bon. Hein. Ah bah on peut pas dire ça de tout le monde. Christine, tu veux pas te mettre derrière lui, tourner des lettres. il s'est vraiment levé ou pas? J'ai pas vu la différence. Effectivement. Tout le monde dit il se lève. Oh, ça, c'est méchant. Moi j'ai rien vu de tout ça. Hein. Pas de douche. T'as raison, touche au physique avec ta tronche, toi. Pas de douche. Pas ce tronche, ça va, c'est le reste. Oui, je dis ça, oui. Mais oui, mais je suis gentil, moi. Je vais pas parler de ce corps ignoble. C'est vrai que jusqu'au cou, c'est acceptable. Bon, je peux revenir à mon appartement. Enfin, c'est pas le mien. C'est ton appartement. Alors, si je peux finir, moi, ce n'était pas moi le propriétaire, je tiens à rassurer tout le monde. Je vais finir ma réponse, si vous voulez bien. Oui. Donc c'est donc une immonde dame qui pour 300... Immonde, peut-être qu'elle avait besoin d'argent. 300 euros par mois pour 1m56, enfin une horreur. 1m56 ? Oui, oui, carré. Et le monsieur a vécu là deuxième année. Ça va, si t'agences bien. Mais 1m56, s'il y a 20 mètres de plafond, ça fait grand. Ouais, ça s'appelle un puits. Non. C'est un palace pour Joujou. Il s'y perdrait. En loi Carrez, 1m56. Oui, c'est en surface habitable. Sinon, il y avait 4 mètres quand même. Il y a une mezzanine. Hein. Ah oui, il y avait une soupe. Ah, il y avait de quoi dormir penché, quoi. Oui, c'est ça. Cassé en deux, même. En tout cas, je suis très content de... D'avoir eu une bonne réponse. Bah moi, que j'ai pas entendu. D'avoir eu une bonne réponse, mon cri-cri. D'avoir eu une bonne réponse, mon cri-cri. Non, pas mon cri-cri. De Christophe de Chavannes. Voilà.